tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une présentation de tous mes schlèches. Donc cette vidéo m'a été demandée par Emma Sorensen. Désolée pour la prononciation. Donc on commence tout de suite, j'ai aussi quelques papos. Donc voici ma famille frisson. Donc j'étais en 2009, j'étais en 2014, là je suis en 2005 et le point 2010. Ensuite la famille Quarter Horse, donc l'étale en 2005, la jument en 2013 et un poulain qui date de 2001, je ne sais pas trop sa race. J'ai vu sur un site que c'était le Holstein, mais je l'avais custom il y a longtemps. Et pour compléter ma famille, j'ai dit que c'était un Quarter Horse. Donc ensuite j'ai la famille Tink. Avec l'étale en 2007, la jument en 2003 et le poulain en 2004. Ensuite la famille arabe que j'affectionne particulièrement avec l'étalon de 2007, la jument de 2007 et le poulain de 2008. Ensuite j'ai mes deux juments andalouses, donc qui datent toutes les deux de 2014 et celle-ci est l'exclusive du calendrier de l'Avent. Ensuite, j'ai la jument et le poulain Lipizan, donc la jument 2012 et le poulain 2004. Ensuite, j'ai l'étalon Tennessee Walker de 2007. J'ai la jument Hanovre 2004, la jument du 7 amateur de 2013, l'étalon Papo de 2010 que j'ai custom, donc j'en suis assez fière quand même. L'étalon Papo Chevalier de 1999 que j'ai custom et drastique pour qu'il se casse. Il s'est un peu abîmé, cassé, du coup je mets 3 bouts de bois pour qu'il tienne debout et je compte le refaire. Ensuite j'ai le poney Dartmoor 2010, le poney Fjord de 2000, donc que j'ai custom mais j'aurais pas dû, je connaissais pas sa valeur. Quand je l'ai fait, c'était la deuxième fois que je le custom en plus. Donc je compte le recustom, mais cette fois-ci en fjord. Parce que je pense que la robe d'origine n'est plus très belle et doit être abîmée maintenant. Ensuite, j'ai deux poulains que m'a offert le Mon. Donc j'en suis trop contente. Parce qu'elle m'a offert le poulain Mustang de 2015 et le poulain Haflinger de 2004 que j'adore trop. J'adore les deux, mais le Haflinger encore plus. Ensuite j'ai l'âne et le poulain Papo, ok je me mélange les pinceaux, donc le zèbre, l'étalon zèbre et le poulain zèbre Papo de 2003, donc je sais pas si je vais drastique, custom, aux ors ou autre, je vais voir. Ensuite j'ai l'âne Papo de 2003. Une biche slèche, donc je ne connais pas, ça doit être super vieille. Dessous il y a juste marqué slèche et Germany. Donc voilà. Ensuite j'ai un veau slèche de 2000, le coq slèche de 1998. J'ai deux femelles chiens. Alors lui je ne m'en rappelle plus de sa race. Et elle c'est le golden retriever. Donc celle-ci de 2012 et celle-ci de 2013. Ensuite j'ai un chat slash de 1997 et mes 12 personnages, donc la cavalière de Voltige, la cavalière de cet enfant violet, donc la cavalière de Western qui est ma préférée. La cavalière de compétition bleue, la cavalière de compétition exclusive, la cavalière du 7 amateur, l'ancienne cavalière de saut, une cavalière qui faisait partie d'un set, mais je n'ai que la cavalière, qui est très ancienne je pense. La cavalière de dressage et mes trois palefreniers, donc avec un saut de 2009, le moniteur de 2002 et la fille qui broie de 2008. La
ensuite j'ai tout mis en vachement. Je lèche bien sûr, hein, pas de création. Donc avec western, compétition, amateur, poney, leur protection et la selle qui était sur mon drastique avant. Donc sur celui-ci, mais que je compte repeindre et transformer en selle pour l'âne. Parce que je n'ai pas envie de l'acheter parce que j'ai réussi à la retirer sans trop l'abîmer. Du coup, voilà. Donc en tout, j'ai 26 chevaux, dont 7 poulains et 2 poneys. J'ai 12 personnages avec 3 palefreniers. Et voilà. Donc je n'achète plus trop de schlèche. Parce que j'en ai assez pour faire un son trigger de toutes mes créations. Et c'est pas gratuit. Et c'est tout pour cette vidéo. Bisous.